ओम शांति। ओम शांति। जब आंतरिक रूप से मन और बुद्धि में किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चलता है, Quand on réfléchit, il n'y a pas de conflit entre l'esprit et l'intellect. Et ainsi, il y a l'unité à l'intérieur quand l'esprit et l'intellect sont à l'unisson. S'il y a des conflits à l'intérieur pour quelque raison que ce soit, avec quelqu'un ou avec dans une situation, on commence un conflit quand c'est tout ce qui arrive à l'extérieur, on le voit à l'extérieur, on le voit, cela apparaît à l'extérieur d'une manière ou d'une autre dans les paroles. Quand on a de l'amour, il y a à l'intérieur, il y aura de l'unité, il y aura de la paix et du silence à l'intérieur. S'il y a de l'amour avec les autres, il y aura la coopération, il y aura aussi le respect pour le soi et pour l'autre. Et quand tout le monde vient ensemble, on utilise la coopération et on exécute une tâche et on voit comment ça va bien, comment on se sent bien. Quand il y a de l'amour dans l'esprit et dans nos comportements, il y a l'unité. Je vois parfois un groupe de personnes, s'il y a de l'amour, automatiquement il y a de l'unité. Dans l'unité, il n'y a pas beaucoup de coopération. Il y a beaucoup de coopération qui est donnée et à ce moment-là, toutes les tâches difficiles sont faciles. Donc l'unité, grâce à l'amour, il y a de l'unité et grâce à l'unité, il y a de la coopération. Et la coopération nous rend aimants et paisibles. Alors c'est très, très puissant. C'est un pouvoir très puissant dans le monde de déités, avec les sanskars de déités. Il y aura beaucoup d'amour dans toutes les tâches et toutes les interactions que l'on aura entre déités. Pas seulement entre les déités, mais aussi avec les cinq éléments de la nature coopérons de toutes les manières. Ce sera d'une façon, tous seront en harmonie. Donc, il est très beau de voir quand il y a de l'unité dans l'harmonie. À l'intérieur, quand l'intellect est vaste, l'esprit est paisible, donc il n'y a pas de conflit. On pense toujours que les conflits, je pense que les conflits commencent à l'intérieur quand il n'y a pas de satisfaction, de contentement. Sinon, les conflits de l'intérieur émergeront ou la conversation s'enflammera. Mais cela vient de l'intérieur d'abord. Alors, si on garde notre attention, les sanskars de déité émergeront. Et dans les sanskars de déité, il y a l'amour divin, l'unité, la coopération envers chacun. Il y a beaucoup de paix et un environnement puissant et en harmonie. Et dans le futur, ce sera ainsi. De la même manière, quand il y a de l'unité, naturellement, il n'y aura pas beaucoup de pensées. Et quand la solitude de deux sortes, la solitude de l'extérieur et la solitude de l'intérieur, cette paix à l'intérieur, et on doit y penser, la barater ce sujet. Et le deuxième, dans toutes les tâches, on doit être en karma yoga et entre les tâches, 1, 2 ou 3 minutes, on pratique la solitude.
le silence. La solitude ne veut pas dire que je me sépare. Et ce n'est pas aimant. Mais on doit tous, nous tous, besoin d'amour, paix, de l'environnement et dans l'harmonie, l'harmonie dans l'extérieur. Parfois, à l'intérieur, il y a de l'attirance. Et on doit, pour équilibrer, prendre 2 ou 3 minutes, être en relation avec l'unique, avec l'océan. Il est profond, c'est l'océan. Et si on va aller dans la profondeur de l'unique, ou aller dans le niveau éternel de l'âme, cela aussi, c'est très, très profond. Alors, nos pensées, à la fin, sera aussi notre destinée. Donc, on veut la solitude, d'abord ma propre perfection, mon identité originelle. Et cette identité originelle est très importante parce que l'esprit, à ce moment-là, est très stable. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de solitude. Ekantriya. Donc, il y a l'attirance pour ce soi plus élevé, pour ce niveau le plus élevé. Et quand on dit que l'unique a de l'amour pour la solitude, on allait souvent voir Brahma Baba, il jouait ce rôle. Quand il était assis là, quelqu'un serait autour de lui, mais rarement quelqu'un était assis à côté de lui. Il faisait son baratage, il était très profondément dans ses perdus, dans son ivresse et son contentement. On le voyait sur son visage et on sentait que Baba était en compagnie de quelqu'un. On ne le voyait jamais seul. On peut dire que quelqu'un est seul, se sent seul de l'extérieur, mais Baba était toujours avec Shiv Baba, toujours en présence de son compagnon. Il avait cette... On s'assoit dans cette grotte au centre du front et on invoque Baba et on s'assoit avec Baba dans la grotte au centre du front. La solitude ne veut pas dire devenir séparé du groupe, de notre groupe, mais souvent, pendant la journée, c'est d'aller en silence, d'aller dans la profondeur de l'unique et laisser tranquillement émerger le niveau de l'âme. Parfois, on devient silencieux. On n'est pas silencieux à l'extérieur, mais on est silencieux de l'intérieur. C'est de la joie au-delà des sens à l'intérieur. Et de plus en plus, on veut le faire. J'ai vu cela souvent. Tout devient très, très clair. Si on a besoin d'avoir une réponse, on va en solitude. Et à ce moment-là, ensemble, l'esprit, l'intellect et la pensée qui viendra, on sentira que c'est Baba qui a dit « Faites ceci, faites ceci ». C'est ainsi que la voix, même quand on est en solitude, même s'il y a un petit bruit que l'on entend de l'extérieur, en solitude, on l'entend. Et quelle est la réponse que Baba nous donne? Alors, hier, j'ai fait cette expérience 2 ou 3 fois. Padi Chanki nous disait, les grandes choses rendent les petits. Et ensuite, vous pouvez y penser, vous trouverez une solution. Mais si vous pensez que les choses sont très grandes, ce sont des situations qui sont très grandes, tout ce que cela fait dans l'esprit, c'est que ça grandit. Alors, on doit pratiquer cette solitude, ce qui nous apporte la clarté, le pouvoir, les signaux que nous recevons de Baba. Et on peut les entendre, on peut les voir. Et on voit que l'intellect est avec Baba. Et à ce moment-là, on reçoit toujours les acquisitions. Baba dit, Ekta, c'est l'unité.
et quand c'est l'amour pour la solitude. Et dans les deux cas, il y a une connexion très profonde. L'unité est importante et l'amour pour la solitude est très important. Vous avez entendu ce matin dans le Murli du matin, il doit y avoir l'unité, mais aussi il doit y avoir l'amour pour la solitude. Gardez ce but. On veut aujourd'hui, on veut créer cette expérience d'être dans l'amour de la solitude. Om Shanti.